Bonjour à tous, on se retrouve pour la 12e partie du Let's Play de Donkey Kong Country sur Super Nintendo. Allez, on va reprendre dans l'allée du tambour, hein, et on va essayer de faire attention à ces tonneaux histoire de pouvoir finir le niveau. Ah bah, je pense qu'on est tout près de la fin là. Hop, alors ici, faut faire attention. Hop. Allez, on va essayer de... Ouais, jolie zèle. Là, vous voyez que les tonneaux qui sont comme ça en l'air, hein, faut juste rebondir dessus et y aller au bon moment. Ah, là, je pense qu'il y a quelque chose à récupérer. Oh ! Ah, j'ai loupé le N. Bon, bah, il devait y avoir un passage secret quelque part que j'ai raté, hein. Dommage ! Allez, on y va. Deuxième niveau du monde 5, le trajet Toc Toc. Ah, ce nom me dit quelque chose. Voyons. Ouais, c'est ça. Bon, bah là, c'est pas compliqué, hein. Il suffit de rester sur la plateforme qui avance toute seule. Donc, bien sûr, hein, les plateformes, ça avance tout seul en général. Hein. Et faire attention aux différents... Ah ouais, je l'ai bien eu, là. Vous remarquerez au passage que quand la plateforme se déplace verticalement, le personnage non contrôlé a tendance à bugger. Regardez. Vous avez vu Didi qui était... voilà. Vous voyez là, il marche sur le... Il marche sur le... sur l'air. Oh putain, j'ai failli me le prendre dans la face ce truc. Là ça sert à rien ce que je viens de faire, mais bon c'est pas grave. Oh putain, ça devient chaud quand même. Là. Hop. Oh putain, j'ai super bien joué, j'ai cru que j'allais tomber à côté de la plateforme. Vous voyez là, Didi il bug complètement. Voilà, maintenant ici, je peux me les faire. Faire attention à bien sauter, hein, pas attendre que la plateforme arrive dessus, hein, sinon... Bon alors là, je vais faire un truc, j'ai encore oublié de changer de slot, mais c'est pas grave. Hein. Vous commencez à avoir l'habitude, hein. Comme ça, je peux sauvegarder. Et si j'arrive, normalement je dois... Bah alors... Est-ce qu'il faut que je me mette ici pour vous voyez qu'il y a un tonneau là? Pourquoi j'arrive pas à changer et prendre Didi? Ma touche elle marche pas. Oh ouais, joli. Bon alors je précise que c'est la toute première fois de ma vie que j'atteins ce passage secret. Je l'avais jamais atteint avant. Bon, ça a pas l'air bien compliqué. Mais franchement, si c'est juste pour des bonnes notes, ça sert à pas à grand chose. Je dirais même que ça sert pour ainsi dire à... Là, il y a un bug de caméra. Hein. Non mais d'accord, c'est nul. Non mais... Quand je pense que ce passage secret est ultra tellement chaud à l'avoir que je l'avais jamais eu de ma vie, et c'est juste pour des pauvres bananes, non mais sans blague. Oula, j'ai failli perdre mon donkey. Alors vous voyez que là ça va être spécial, il y a les ennemis qui vont avancer, qui vont me tomber sur la gueule. Oula, il a failli me tomber dessus. Enfin faudra qu'on m'explique pourquoi quand j'ai voulu atteindre le passage secret je pouvais pas prendre Didi. Hein. Alors attention ici, oh, ça sentait bien. Et voilà. Là, ce passage secret, je pourrais pas l'avoir. Oh, attention, là, on voit vite, c'est... je vois, c'est une noix de coco. Enfin non, c'est pas de noix de coco, enfin c'est des noix. Ah, mais merde, putain, il est tombé en plein sur moi. Bon, va falloir que je fasse un peu attention. Hein. Surtout à ceux-là. Oh là là. Ah ouais, elle est jolie celle-là. Donc là, forcément, la fin ne devrait plus être très loin. Voilà, c'est bon, c'est nickel. Oh là. Putain, j'ai cru qu'elle allait continuer en fait. Oh, pas ces ennemis là. Surtout que je crois qu'ils bug ceux-là. Regardez comment ils se coincent au bout de la plateforme. Mais je rappelle que ces ennemis que vous venez de voir, hein, je ne peux pas les vaincre en étant avec Didi. Je suis obligé d'avoir Donkey. Enfin bref, j'ai quand même fini le niveau. Ça va, tout va bien. Allez, on avance avec les ascenseurs excentriques. Ça aussi je connais, hein. c'est dans une grotte. Vous allez voir. Ouais. Déjà je suis un peu con, j'aurais dû essayer d'attraper la corde. Ah, peut-être qu'avec le serpent je vais pouvoir remonter. Oh, même pas. Oh, tant pis. Parce que franchement, c'est possible d'atteindre la corde. Ah bah d'accord. C'est possible de l'atteindre, je l'atteins du premier coup. Je vous jure que d'habitude je galère. Ah, nos fameuses lettres. Alors va falloir essayer de faire un peu attention.
Nickel. Eh, ça va, j'ai pris le coup à ce jeu-là. Ah, ça, c'est un peu malin. On est caché derrière le décor. Et je sais même pas combien de vies j'ai, vu que l'affichage des vies était caché derrière le décor. Mais c'est pas grave, il me l'herbait là. Voilà, donc maintenant je vais prendre le cheminement normal des cordes pour récupérer cette lettre. Oula, putain, j'ai failli me la prendre. Oh putain, mais non. Oh, fais chier. Ça y est, ça commence. Bon, tant pis, le passage secret, je voulais montrer une fois, mais je vais pas le refaire 10 millions, hein, 10 millions de fois. Hop. Putain, mais je fais n'importe quoi. Je sais que cette mini Nikki, elle est là, mais non, je fais la connerie. Voilà. Ah, voilà. Vous voyez le tonneau, là? Il génère des ennemis. Oui, c'est un tonneau, là, je me suis pas trompé. Je sais que j'ai une forte tendance à appeler les pneus des tonneaux dans ce jeu, mais bon... Donc le régime de banane, je n'essaierai pas d'aller le prendre. Ces tonneaux là pour qui génèrent des ennemis à l'infini, il y a un moyen de les éliminer, c'est en utilisant un tonneau de TNT. Oh, putain. Oh. Ah, ça devient quand même vraiment difficile. Autant les premiers mondes, surtout les deux premiers... Mais merde. Surtout les deux premiers... Oula. Surtout les deux premiers mondes sont assez difficiles. Assez facile. Oula, je m'embrouille complètement. Mais après, quand on avance, ça devient vraiment dur. Hein. Alors là, il faut juste descendre au bon moment. Et remonter tout de suite. Surtout. Voilà. Allez, on enchaîne. Oh, mais sérieux, ça devient presque impossible de pas se faire toucher. Oula, putain, j'ai pas été touché, j'ai eu du bol. Hop, dégage. Oh, le tonneau de sauvegarde, le tonneau de mi-parcours, voilà, c'est ça que je cherchais comme nom. Voilà les fameux ascenseurs excentriques. Bon, c'est pas très difficile pour l'instant. Hop. Par contre, je me demande si... Attendez, je veux juste vérifier quelque... oui, ça aurait été bien la suite, s'il vous plaît. Je me demande s'il n'y a pas quelque chose à gauche. Ah non, j'ai rêvé. Je croyais. Ah d'accord, ouais. Voilà, je parie que le tonneau c'était là que je vais l'envoyer. Et j'ai pas trouvé le haut au passage. Merci. Hop. Oui, ok. Alors là vous voyez que c'est toujours des ascenseurs. Mais là faut faire gaffe hein, parce qu'il y a la... Et il y en a moins d'ascenseurs en plus. Oula! J'ai réussi! Il y a vraiment des moments où j'ai de la chance. Oh 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 oh! Putain, j'ai encore de la chance. Ah, j'ai été touché. On continue. Ah, la sortie. Mais merde. Oh, fait chier. J'allais dire que la sortie elle était toute proche, hein, mais. Bon, alors cette fois-ci, le tonneau, je vais pas le prendre tout de suite. Je vais d'abord me faire cette bestiole. Je suis quasi sûr qu'il y a un passage secret là. C'est là que je vous balance le tonneau dessus et qu'il n'y a rien. Y'a rien. D'accord, j'ai pas l'air d'un con. Hey, c'est officiel, je suis à moitié con quand je m'y mets. Merde, j'ai raté l'abeille, mais c'est pas grave. Je
Je récupère mon Didi, merci. Donc je vais essayer de faire attention. C'est surtout cette abeille-là qui est chiante. Oh ouais, là c'est du joli. Mais tu mourras pas deux fois. Mais pourquoi t'as avancé? J'ai à toucher à aucun bouton là. Ah là. Là c'est bon, attention à l'abeille. On continue. Et voilà, là je crois que je suis à la fin. Oh putain. Mais ça va être dur là, c'est presque un... Mais comment vous voulez que je passe? Bah putain, j'y suis arrivé, j'ai vraiment de la chance. Là je pense qu'il doit y avoir quelque chose en bas hein. Oui, ça va me faire récupérer quoi? Ouais d'accord, c'est juste pour des bananes en fait. Mais ça sert à rien. Bah, franchement, c'est vraiment le passage de grippe qui sert à rien, hein. Désolé. Mais... Ah bah voilà, ça y est, on a débloqué la sauvegarde de Candy. ...53%, 2h10 de jeu. Allez, qu'est-ce qu'on a ensuite? L'étang empoisonné. Je vois parfaitement ce que c'est. Et ben voilà. Donc, on va s'arrêter ici, hein, puisque j'ai pas le temps de faire ce niveau. Hein. Enfin, disons que je prends pas le temps de faire ce niveau parce que j'ai pas envie de le couper en plein milieu. Enfin, vous connaissez la chanson. Hein. Enfin bref, donc on va s'arrêter là. Je vous dis ciao. Et à la prochaine. Here we are again, it's always such a pleasure. Remember when you tried to kill me twice? Oh, how we laughed and laughed, except I wasn't laughing. Under the circumstances, I've been shockingly nice. You want your freedom?